Salut la team! Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à économiser ton argent. Donc tu n'auras pas besoin de stabilisateur ni de transition à 100-200 euros. Tu verras, on peut faire des trucs exceptionnels avec nos mains. Donc c'est parti pour le premier plan. Donc là, tu auras besoin d'un gilet et d'un banc. Donc tu prends ton gilet, tu le mets sur ton banc, t'aplatis bien la manche. Là, tu viens prendre ton appareil photo, tu l'allumes, ce qui est logique. Tu le poses sur ta manche. Tu l'orientes vers le sujet que tu veux filmer et là tu viens tirer ton gilet et là tu viens faire un tracking et tu viens d'économiser des centaines d'euros grâce à moi. C'est incroyable. Fais-le sur des surfaces bien lisses, tu verras, ça rend super. Donc là on passe à la première transition, tu viens filmer un plan et t'orientes ta caméra vers le haut. Ensuite tu fais un deuxième plan, t'orientes ta caméra vers le haut donc qui commence vers le bas. Et ensuite en post-production, tu accélères les mouvements de la caméra, tu gardes que la caméra fixe. Et là une bête de transition. Ok, donc là c'est parti, on se retrouve en post-production. Donc là on est sur Final Cut Pro, tu peux bien sûr être sur un autre logiciel, même iMovie, tu verras, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel poussé. Ok, en premier, donc là je te montre, on a toujours nos deux plans. Le premier, la caméra orientée vers le ciel, et le deuxième, la caméra qui est vers le sol, orientée vers le ciel, ok. Donc là ce que tu vas faire avec le premier plan, tout d'abord, tu vois que la caméra quand elle monte vers le ciel, après elle est stable et elle fait n'importe quoi. Donc là tu vas cutter, donc couper, dès que la caméra n'est plus en mouvement. Donc ici, hop, donc cette partie là, tu coupes, ok. Voilà. Ensuite, le deuxième plan, tu vas faire pareil, mais tu vas couper bien sûr au début. Donc dès que la caméra ne bouge plus, ne bouge pas. Voilà, donc elle ne bouge pas et après elle bouge. Donc avant qu'elle bouge, hop, tu viens cutter, donc couper cette partie là. Donc là, tu te retrouves avec ça. La caméra monte vers le haut et là, directement, là on voit que c'est beaucoup plus fluide. Bien sûr, on va accélérer. Donc pour accélérer, c'est où qu'il faut accélérer tout simplement. Dès que ton plan n'est plus fixe, dès que tu vois qu'il commence à être en mouvement à monter vers le ciel, c'est là que tu commences à cutter. Voilà, là il commence à monter. Donc là tu cuts, tu prends ici, tu viens accélérer. Alors je vais pas vous expliquer comment accélérer, c'est vraiment simple. Donc, alors bien sûr, tu vois, accélération, t'as x20, 20 fois, 8 fois. Donc là la vidéo est assez courte, donc moi je vais mettre 8 fois. Bien sûr, si ma vidéo aurait été 3 fois plus longue, j'aurais mis 20 fois. C'est logique. Ensuite, le deuxième plan, là tu vas accélérer au début. Donc voilà, dès que le mouvement est terminé, tu accélères ici. Donc là, 8 fois. Accélérer 8 fois. Donc, voilà. Je te montre comment ça rend avec l'accélérer. Voilà, donc je te montre depuis le début. Donc voilà, ça m'a pris, allez quoi, 10 secondes. Et t'as une bonne transition sans forcément dépenser de l'argent. Donc là, ma transition préférée, t'orientes ta caméra vers le bas. Tu la montes en haut et tu la redescends vers le bas. Deuxième plan, tu fais la même chose. En bas, en haut et tu la descends en bas. Et là, en post-production, tu accélères les mouvements. Tu gardes les moments fixes. Ok, donc là, on se retrouve encore en post-production. Donc là, c'est pour ma transition préférée. Donc là, c'est très simple. On va faire comme tout à l'heure. Déjà, on va enlever ce qu'il y a en trop et ce qu'on ne veut plus. Donc là, tu vois, dans ce truc-là, on va enlever avant le mouvement du bas, tout simplement. Donc là, hop, tu supprimes ça. Donc là, la caméra est en bas. Elle monte en haut. Et là, elle redescend. Donc là, une fois qu'elle est en bas, hop, on va cutter ce qui reste. Donc le reste, on n'en veut pas. Deuxième plan, on va faire exactement pareil. Donc là, hop, elle est bien placée vers le bas. Avant, elle n'était pas encore placée. On cut avant. Ensuite, donc là, en haut. Et là, elle redescend. Hop, une fois qu'elle est bien en bas. Donc là, a priori, ici, j'ai bien arrêté là où il fallait. Donc là, au début. Même là, au début, vous voyez, j'ai trop coupé. Donc on va même reculer. Je vais même montrer exprès mes erreurs. Comme ça, vous n'allez pas les faire. Il faut vraiment bien garder les bons plans. Donc là, vous voyez qu'elle est encore en haut. Là, elle est vers le bas. Donc là, c'est parfait. Vers le bas, elle monte. Alors, on va même... Voilà, ici, parfait. Elle monte, elle reste en haut et elle redescend. Elle monte, elle reste en haut et elle redescend. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est très logique, vous avez compris. On va accélérer au moment où la caméra monte, donc là où elle est en mouvement. De toute façon, on accélère toujours quand la caméra est en mouvement, ok. Donc là ici, hop, on arrête que le moment la caméra il est stable. On arrête, on va repartir, hop. La caméra repart ici, donc en cut là. Donc là, les deux plans où elle monte et elle descend, on va les accélérer, ok. Donc accélérer 8 fois, le plan est petit, accélérer 8 fois. Alors, est-ce que ça donne ce qu'on veut? Yes. Ok, bien sûr si le plan du milieu où il est stable n'est pas assez long, vous pouvez toujours, bien sûr, le ralentir, ok. Donc ensuite, deuxième plan, on va faire bah, en fait exactement la même chose. On va accélérer là où il bouge. Donc là, il bouge vers là. Et garder au milieu le même temps. 8 fois. Et ici, accélérer 8 fois. Donc là, normalement, vous avez votre transition.
Voilà. Donc celle-là, c'est vraiment ma préférée. Avec de la musique, essayez d'être en rythme avec les tempos de la musique, vous allez voir, c'est juste incroyable, comme moi je l'ai fait. Donc là, dernière transition, tu viens filmer un plan, un décor. Attention, il te faut un objet fixe, donc un arbre ou un poteau. Ensuite, tu vas faire un deuxième plan, tu vas orienter ta caméra vers le haut. Et en post-production, tu viens créer un masque. Je te mets dans la description c'est quoi un masque, tu verras, c'est super simple. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu l'auras aimé. Si jamais tu l'as aimé, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc n'oublie pas, ce que tu dois en retenir de cette vidéo, c'est soit original, soit libre de faire ce que tu veux avec ta caméra à toi. Donc voilà, je te laisse sur un plan que j'ai filmé. Si jamais tu veux un plan comme ça pour toi, pour filmer ta passion ou bien ton métier, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous.